Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac. Et pour le réaliser, vous aurez besoin deux morceaux de 43 cm sur 39, deux carrés de 39 cm de côté, deux bandes de 39 cm sur 5, deux bandes de 60 cm sur 10. Un morceau de 53 cm sur 22, du thermocollant, 35 cm de fermeture à glissière et deux petits morceaux de tissu de 3 cm sur 5. On commence avec les bandes de 60 cm sur 10 et on fait un repli d'un centimètre de chaque côté. On replie ensuite en deux. On coupe dans le thermocollant, deux bandes de 3,5 cm sur 60. Et on va les glisser sous le repli. On pique ensuite de chaque côté. Alors, on reprend le morceau de 53 cm sur 22 et dans le sens des 53 cm, on replie en deux, endroit contre endroit. On va piquer sur trois côtés et laisser une ouverture pour retourner. C'est piqué et avant de retourner, on dégarnit les angles. On reprend un des morceaux de 39 cm qui va être une des parties doublure et la partie qu'on a assemblée qui sera la poche intérieure. On l'épingle au milieu à 10 cm du bas et on va piquer sur trois côtés. On reprend les deux morceaux de 3 cm sur 5 et dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'un centimètre de chaque côté. On replie en deux et on vient border les extrémités de la fermeture à glissière. Je pose le thermocollant sur les deux bandes de 5 cm sur 39. On reprend un des carrés de 39 cm. La bande de 5 cm sur 39 et la fermeture à glissière. On place envers de la fermeture à glissière en haut de notre partie doublure, bien au milieu, et on recouvre avec la bande. On épingle et on assemble sur toute la longueur. On va ensuite faire une surpiqûre tout le long de la fermeture. On reprend l'autre partie doublure où il y a la poche et on va assembler l'autre côté de la fermeture. On place les deux parties endroit contre endroit, envers de la fermeture contre la partie doublure. On replie cette partie-ci et on va recouvrir avec l'autre bande. Endroit contre endroit et on pique sur toute la longueur. Et comme pour le premier côté, on fait une surpiqûre tout le long de la fermeture. On ouvre la fermeture à glissière. On place bien à plat et on va assembler sur trois côtés en laissant une ouverture en bas de 10 cm. On vient ensuite ressortir les angles et former les bases dans la partie doublure. On trace une ligne de 10 cm et on pique sur la ligne. Une fois piqué, à 1 cm de la couture, on coupe.
place le thermocollant sur les deux morceaux de 43 cm sur 39. Dans le sens des 39 cm, on place les poignées. On les épingle à 10 cm des côtés et on va faire une piqûre au plus près du bord pour maintenir les poignées et travailler sans les épingles. On place les deux parties extérieures endroit contre endroit. On épingle et on assemble sur trois côtés. Une fois piqué, on forme les bases comme pour la partie doublure. On va glisser la partie extérieure dans la partie doublure, endroit contre endroit. On commence par épingler les côtés, couture sur couture. On ajuste ensuite le tour. On assemble ensuite tout le tour sans laisser d'ouverture. Une fois piqué, on va retourner par l'ouverture qui est dans la doublure. On referme l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Il reste à donner un petit coup de fer et à faire une surpiqûre tout autour. Une fois cette dernière couture faite, votre sac est terminé. À vos machines !